parler? Eh bien, du carnaval de Dunkerque, avec toutes ses traditions. Par exemple, pendant le carnaval, il y en a qui sont devant, qui poussent vers l'arrière. Ceux qui sont derrière poussent vers le devant, et ceux qui sont au milieu sont un peu serrés. Cela s'appelle le chahut. Sinon, il y a aussi faire chapelle, aller chez les gens et s'inviter, et faire le carnaval dans les maisons. C'est-à-dire que voilà, il y a le carnaval. Tout le monde s'est éparpillé. Puis, il y a le tambour-major et les autres qui jouent les musiques du carnaval. Et là, ça veut dire c'est le moment du rassemblement. Et tous, on va derrière eux et on fait le. En Italie, en Pisolie, en Angleterre, en Pisparterre, qu'en France, il y a plus d'importance, etc., etc. Marie Patate, elle occupe plein de merde. C'est pas vrai. Elle a lavé. Il y a plein d'autres chansons aussi belles que celle-ci, aussi poétiques. Et ensuite, il y a le chahut, comme je viens de vous l'expliquer. Puis, on se disperse et on va faire chapelle chez les gens. Si bien sûr les gens sont d'accord. Depuis quelque temps, il y a des carnavaleux qui se rajoutent. Ce sont ce que moi j'appellerais des touristes. Ils ne connaissent pas les traditions. Et moi, je demanderais à ceux-là, eh bien, d'apprendre les traditions avant de vraiment faire le carnaval. Sinon, c'est du n'importe quoi. Voilà. Alors, je vous invite tous à faire le carnaval de Dunkerque l'année prochaine, en connaissant les règles, qu'on s'amuse tous, qu'on fasse chapelle. Et surtout, les hommes, habillez-vous en femmes, pour une fois dans votre vie. Allez, moi, ce que je vais faire, j'écoute un peu de musique du carnaval et j'y retourne. Allez, on y va!